Il est un devoir de croire à l'enfer et qu'elle est déjà créée actuellement. L'enfer s'agit du feu le plus puissant et le plus intense que Allah ait créé. Elle est située au-dessous de la septième terre et elle demeurera éternellement sans fin. Les mécréants séjourneront éternellement dans l'enfer où ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Allah dit ce qui signifie, certes, Allah a maudit les mécréants et a préparé pour eux un feu ardent dans lequel ils séjourneront éternellement. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Sourate Al-Ahzab, versets numéro 64 et 65. Pour ce qui est des musulmans désobéissants, nous comprenons d'un verset du Coran, certes, Dieu ne pardonne pas qu'on adore autre que lui et pardonne tout autre péché moindre que l'association, la mécréance, à qui il veut, subhanah. C'est dire qu'une partie de ces désobéissants sera pardonnée et entrera au paradis sans aucun châtiment préalable, tandis que l'autre n'entrera au paradis pour y demeurer éternellement qu'après avoir subi un juste châtiment dans l'enfer. En effet, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui signifie dans le sens, sortira de l'enfer quiconque meurt avec le minimum de croyance, c'est-à-dire avec la bonne croyance en Dieu et en son prophète. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Alors, chers frères musulmans, il y aura des gens qui vont rester en enfer jusqu'à l'enfer, et il y a des gens qui resteront en enfer pour un temps, pour une période, et après ça, ils sortiront pour entrer au paradis. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde d'entrer le paradis sans châtiment préalable. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.